Bonjour, Bruno Botta. Donc là, nous sommes avec des passionnés de la série V. Donc, je te laisse te présenter. Fabrice Grosmer, donc je suis un garde de sécurité. On voit dans la série, sur le casque, sur la casquette. Et donc, effectivement, nous représentons la série V de 1984. Donc, la première série qui est passée aux États-Unis, donc en 83, et qui est arrivée en France en 84. D'où te vient cette passion ? J'étais jeune quand c'est arrivé en France et tout de suite j'ai été j'adore la science-fiction déjà et ça m'a plu tout de suite l'histoire, les uniformes les, le, voilà donc et bah, petit à petit j'en regardais, j'essaye souvent, je les re-regardais à nouveau et puis j'ai il y a quelques années, 3 ans j'ai vu sur le site sur internet le site de la Syriane qui existait en France donc là, et donc c'est là que je les ai contactés pour rentrer dans la Syrian Légion. Voilà. Votre association existe depuis quand ? Alors, l'association en elle-même, elle existe depuis 2012. Moi, j'y suis rentré en 2018. Alors, as-tu rencontré les acteurs de la série V ? Oui, tout à fait. Lesquels ? On a rencontré Sarah Douglas, qui joue le rôle de Pamela. Dans Superman ? Voilà. Et moi, personnellement, il y a quelques que j'ai rencontrés. Mais il y a d'autres, gens de la. Les anciens qui ont rencontré Jeanne Badler, donc le rôle de Diana. Et prochainement, en Allemagne, premier week-end de décembre, on va voir Robert Englund, le fameux Willy, technicien, fou le Willy. Vous vous déplacez un peu partout dans la France. Bah pour ce genre de... Oui, on essaie d'aller un petit peu partout. Effectivement, c'est super intéressant et de rencontrer aussi les autres, des autres pays qui font aussi partie. Alors, que pensez-vous du Galactic Day ? On y a tous les ans. On y est. Votre avis sur le Galactic Day ? Moi, j'aime bien. Ouais. On connaît pratiquement tout le monde, donc c'est vrai qu'on se retrouve entre potes et puis ça permet de effectivement vu ce qui s'est passé depuis 2 ans. Ça permet de renouer des contacts et puis mais j'aime bien. Auxerre, c'est une petite convention mais j'aime bien. C'est sympa. Alors, je vais te poser la question. Quel est un film de science-fiction que t'aimes bien ? À part V. Je suis Star Trek, Star Wars, Starship Trooper. J'en ai d'autres. Terminator. Enfin. Veux dire science-fiction ? Ouais. Pratiquement tous les films. Pourquoi ? J'adore la science-fiction. As-tu une petite anecdote à nous dire sur la série V ? Quelque chose qui t'a marqué ? Qui m'a marqué, c'est les uniformes. Ouais. Quand c'est sorti, effectivement, ça flash, ces trucs flashy, les uniformes, les voix aussi qu'ils ont faites. C'était vraiment, à l'époque, pour 84, pour les années 84, c'était vraiment, je trouve ça, super bien fait. C'est un univers assez large, la série V, mais au niveau des costumes, tu trouves pas qu'ils avaient quand même ils avaient une avance ? Je pense que oui, effectivement. Après, même la technologie, au niveau des vaisseaux, ils ont eu, quand même pas mal de budget pour la série, enfin pour la première série, hein, parce qu'après, je pense qu'ils ont donné pas mal de que ce soit réflexion et puis d'idées, de machin, c'est ça qui est. J'ai trouvé ça et c'est exceptionnel, super. Merci. Alors, es-tu au courant qu'il y a eu des jouets qui sont sortis sur la série V ? Oui. Mais qu'en prototype ? Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Pas en France. On les a pas eu en France, mais aux États-Unis. Oui. Et on ne les trouve pas ici. T'aurais bien aimé ? Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, on fait. Alors, nous, on en fait. On a des gens qui, effectivement, utilisent le 3D ou de la résine. Et on essaie de faire des armes qui sont faites en résine. On les fait nous-mêmes. 3D aussi. Les petites navettes qu'on a là-bas, c'est pareil, on essaie de les faire en 3D ou en résine. Voilà. Et vos costumes ? C'est notre couturière qui nous les fait. On a notre couturière qui est là-bas. Elle a la reptilienne aussi, hein ? Bien sûr. Elle a le rôle de Diana. Mais c'est notre couturière officielle. Faut pas l'embêter. Voilà. C'est elle qui nous fait tous nos costumes, effectivement. Vu qu'il y avait pas mal de produits dérivés sur la série V, y a-t-il un produit qui te plaît ? Justement. Plus que les autres ? Je suis collectionneur. C'est plutôt c'est tout ce qui est uniforme, c'est-à-dire les casques, les armes. Que penses-tu de la poupée LGN qui est sortie ? Laquelle ? La poupée LGN qui est sortie à l'époque sur la sur V. Je trouve que c'était quand même bien fait pour l'époque. C'était quand même
C'était bien fait. Ouais. Mais bon, c'est ma... comme je disais, malheureusement, c'est que aux États-Unis. On aurait aimé les autres personnages. Aussi. Aussi. Alors, il y en a en France qui en font. En fait, c'est pas Lego qui fait ça. Ce sont des gens qui sont fans, donc qui prennent des Lego et qui retransforment les Lego avec de la peinture, avec des petits accessoires. Ils refont avec des machines en 3D. Ils refont des. Mais c'est pas Lego ne fait pas effectivement comme Playmobil ne fait pas tout ce qu'on a. On a des petits Playmobil là-bas. Ils ont été faits par des gens qui sont fans, donc ils refont. Ils prennent un Playmobil et le refont avec de petits matériels. Document caché. Allez, on l'emmène. Allez, c'est parti. Voilà, il est arrêté. Il a fait le con. Il fallait pas. Alors, vous préférez la première ou la deuxième, Sirivet? La deuxième, je sais pas de quoi vous parlez. La non, la nôtre, c'est vraiment l'original. C'est vraiment la série originale. Va-t-il avoir un jour un remake? Ça a été... Alors, aux États-Unis, on en a entendu un petit peu parler. On ne sait pas encore si ça va se faire ou pas. Il y a eu des premières propositions, mais pour l'instant, voilà, ça reste un projet. On ne sait pas. Mais ça serait bien, effectivement. Ça serait bien que... Ouais. A-t-il un épisode que tu aimes bien dans la série V? Un épisode qui t'a mon épisode marqué préféré, l'arrivée, le premier. L'arrivée. Ouais. Avec la mâche impériale. Et puis les vaisseaux qui arrivent, qui se placent au-dessus des capitales. Ouais, je pense que c'est le. Moi, la série V, de ce que je me rappelle, j'étais petit. Moi, ce qui m'avait fait peur, c'est quand elle a couché. Ah, c'est une des scènes les plus. Ouais. Si les gens nous en parlent, c'est vraiment cette scène-là. C'est vrai quand on scène de l'accouchement, je me rappelle. Étant gamin pendant cette période-là, c'est une série qui m'a marqué. Quand j'étais gamin, je m'amusais à faire Donovan. Mes ennemis étaient les visiteurs. Donc c'est vraiment marqué. Je me rappelle très bien de cette scène. Ouais, tout à fait. Ouais. La scène de l'accouchement, je pense que ça a marqué les gens quand même. Ça a marqué les gens. Je me rappelle aussi la scène où Diana mange le rat. Là, ouais, c'est oui, c'est le hamster et puis on voit le. Ou alors la scène où Mac Donovan découvre que les visiteurs. Se bat avec un garde et puis lui arrache la peau et on voit le. Oui. Ça a marqué pas mal de personnes, je pense. Que penses-tu de la fin de la série V? T'as été content de la fin? Alors, la fin, théoriquement, non, parce qu'il manque un épisode qui avait été tourné mais qui n'a pas été diffusé, donc pour moi la fin il manque quelque chose. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette interview. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Fabrice et la Syrian Légion d'avoir répondu à nos diverses questions. Si vous désirez avoir plus de renseignements par rapport à la Syrian Légion, je vous invite à vous rendre sur leur page Facebook, leur compte Twitter ou leur chaîne YouTube. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo.